Bonjour à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien. Attends que j'installe bien mes câbles pour pas avoir de gêne au niveau confort. Ouh là 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 là, déjà cette lampe qui va me rendre fou. Alors j'en étais où? Oula, j'ai plein de postes de contrôle à déverrouiller là. Polytechnique. Oh, non, ce n'est même pas. Ah oui, oula, ça va être chaud, parce qu'il y a une partie rivière. Bon, je vais faire la partie d'abord. Merde, une requête. Oh bah, je suis mort. Oh vache. Qu'est-ce qu'il me tire dessus, on doit qu'il me tire de derrière. Il y a un mec qui fait des tirs au lance-roquettes. Ah mais c'est bon. Mais je conçois un petit coup de chaud pour la plupart d'entre eux. Amalia. Ah, si la mécanique pouvait être toujours aussi simple. C'est le bazar, c'est le boxon, c'est le bordel. Oh yeah! Oh! Yala! Je suis africain! Aïe la wédé! Par-dessus! Oh, le folklore local merveilleux. On s'en souvient, ça marque. Un boom. Non, mais il n'y a plus de moustiques, sérieusement? Ça m'épate. Oh, pour la vache, c'est de la déforestation. Là, il y a un arbre qui a giclé. Mais vraiment. J'en reviens pas qu'il n'y ait plus personne. Ça m'étonne. Et bien. Oh mais qu'il n'y a plus, il n'y a plus. Ah ouais! Un petit peu retourné le poste de contrôle, effectivement.
Oh là là. Oh le bordel. Non, bah tranquille. Ah, il y en a un autre de l'autre côté. Bonjour la race banquette. Alors, comment ça va aujourd'hui? T'as réussi à bien dormir cette nuit? Parce qu'entre les détonations de feux d'artifice, mais je pense surtout malheureusement aux officieux, et le fait que les nuits soient chaudes. Ouais, ça va? Oui, ça va bien, merci. Tranquille, loupé leur pépouse. On va faire un petit peu de Far Cry 2 en attendant l'arrivée de petit Seb qui me rejoindra dans la matinée pour... la suite de nos aventures intergalactiques dans Starbound. Bon, là je vois pas le poste de contrôle, faut que j'y aille en bagnole. Nous, c'était le 13. Ouais. Non, moi, j'ai la chance d'en voir plusieurs. Je suis bien placé, depuis chez moi. Et je vois, depuis chez moi, alors partiellement, mais c'est quand même un grand luxe, je vois celui du 13 et du 14 depuis ma fenêtre. Il est derrière la formation rocheuse. Voilà pourquoi je le voyais pas. Oh la vache, déjà dans le comité d'accueil. Oh, il va se calmer lui. J'en ai vu au mort de rire. Ah, ça a changé une idée. C'est normal qu'on voit pas le jeu. Non, pas du tout. Merci de me le rappeler. Souvent, j'oublie le plan. Merci de me le rappeler. Non, c'est pas normal du tout. C'est pas ma tronche que vous êtes censé voir. Voilà, comme d'hab. J'ai encore fait quasiment 10 minutes de direct où on voit que ma tronche. Tout va bien. Voilà, merci. Bien vu, la race moquette. Bien vu, t'es une chef. Comme tu dis, t'es la meilleure. Alors. Mais oui, que c'est pas normal. Mais ça, c'est moi. Je gère pas mes scènes. Je pars dans ma détente et puis j'oublie qu'il faut que je vous mette la bonne caméra, la bonne scène. Du coup, c'est suivre mes aventures. Ça y est, il vient le mec. Si c'est le fail. Un débilousse, le gars. Dégommé les salopards. Papa. Je t'ai vu. Derrière, et je vais m'occuper de ton cas. Viens ici, sale merde. Allez, connard, venez qu'on se barre. Viens rejoindre ton cas. Il y en a un qui tue. Ah non, j'ai beau provoquer une première explosion, ils arrivent à me dégommer. Donc, il faudra que je joue du snipe et non pas de l'explosif. Nuance. Merde, je l'ai paumé. J'ai trouvé. Ils savent pas où il est. Du coup. Ah, j'arrive pas à viser alors qu'il est proche de moi, le gars.
Je suis mauvais sniper ce matin. Bah alors. Y'a plus personne ? Merci. Bizarre. Là, il y a encore un tonne d'explosifs là-bas. Comment j'ai fait gicler la paperasse. Comme ça, s'il y a encore du monde, ils vont bien rôtir. Oui, je peux laisser mon véhicule contre le panneau directionnel. Bon, il est encore en vie. Il va péter le feu avec moi. C'est horrible. Ah, il y a encore du monde. Attends, jusqu'où je peux... Ah ouais, quand même. Ah, 360. Très bien. Ça me va très très bien. Munitions limitées. Ça peut juste un peu surchauffer, mais... Ah, ils sont derrière moi, les petits cons. Derrière le wagon. Il est où, le mec? Ah, il est là-bas. Je t'ai vu. Je crois qu'il n'y en a plus d'autres. Ah, avec la savane qui flambe. Magnifique. Ah. C'est magnifique. Voilà, exactement là où je voulais que ça flambe. Je n'y serais pas mieux pris. C'est parfait. Et ben voilà, tranquille, peinard pépouze. C'est horrible. Alors. Oh, il y a du diamant par ici. Je l'entends. Il m'appelle. Ce diamant. Bidon à la noix là. Je vais les faire cramer. Ça va faire boum. Alors. Ah non, c'est le véhicule qui a pété dans mon dos. Ils me disent aussi. Oui, j'ai bien, j'ai plus de. Ah, ils ont barricadé, d'accord, la baraque elle est inviolable. Elle est intégralement barricadée, ok. Alors, mon souci de ce poste de contrôle, c'est de trouver le point de revendication. Que je fasse sauter le cadenas sur la carte. Faut-il encore que je trouve le... la boîte à munitions en fait qui fait foi. La boîte de munitions qui fait foi. Je la vois pas. Ah bah ça a cramé tout autour du... des tonneaux, mais. Les tonneaux en eux-mêmes n'ont rien eu. Ce serait là. Non.
Bah mince alors. Attendez, là je vois le groupe électrogène. Le véhicule a explosé, il s'est retourné. Bah merde alors. Bah. Mais même si la caisse de munitions a explosé, je devrais pouvoir observer le... Voilà, merci. Ah oui, tellement bien explosé qu'il reste plus que ça de la caisse de munitions. D'accord. Bon, bah c'est bien, j'ai gagné, une bonne chose de fait. Mais non, ça a toujours pas flambé le truc, j'en reviens pas. Ça va retomber. Je n'y résiste pas. Alors, oui, bah mon véhicule était là-bas. Alors, la suite. Sympa de suivre la route. Sympa parce que j'aurais tout naturellement des postes à libérer. Ça y est, je crois qu'ils m'ont vu, enfin. Dommage, là on était ex aequo. Merde. Pourtant, je devrais avoir le gain de la surprise, hein, le fait d'arriver le premier. Oh là là la vache, comment qu'ils arrivent à bien me dégommer. Il vise bien, j'aime bien la dextérité des ennemis, hein. C'est des cons zéro, une balle à mort. Oh, je me disais, je pensais les avoir eu. Ah oh bah ça a bien tombé derrière. Oh, il est encore allé. La résistance organise, comme je le dis. Ah, j'ai eu la caisse de munitions.
Comme quoi les explosifs te font pas tout. Il y avait qu'un mec. Personne d'autre. Je me surprends un peu. Ah non. Il n'y avait pas que lui. Oh, une belle propriété, il y a du monde. Hein. Ah là là. Ah. Je me disais bien que j'ai vu bouger. Là, je pense que j'ai gagné. Il va plus y avoir grand monde. Hein. Il y a peut-être encore un loustique, c'est pas sûr. Il y en a des choses par ici. Oh, la belle plante. Sympa. Et maintenant, pour un point sur la situation préoccupante dans la région sud de Boasico. Moi, non. Bon, je rigole, mais j'ai toujours pas dans mon tour d'inspection à nouveau trouvé le point de revendication. Ça devait être quelque part par là, parce que ça avait pété en munitions quand j'avais fait un tir. Où était la caisse de munitions? Mystère. D'accord, j'ai toujours pas revendiqué les lieux. Mais non, toujours pas. Toyo pas. Ah, c'est bien, après je pourrais être de passage dans une armurerie. Ça va aider. Mais non, je peux pas rentrer dans le... Ah merde alors. Non, le véhicule, je l'ai fait dans un deuxième temps, ça peut pas être là.
Ouch. Ah ! Du coup, j'ai rangé le tonneau. Enfin, ce qu'il en reste. Bah alors. Non, je veux dire, j'aurais été surpris de pouvoir entrer dans les baraques. Bah alors. Oh, j'ai plus le coup d'œil. Je l'avais déjà dit, et puis là, je l'ai plus. Bah j'ai pas l'air con, je tourne en rond, j'arrive pas à trouver le point de revendication du point de contrôle. Je suis bien embêté. Pourtant j'ai bien entendu les munitions péter quand j'avais fait un de mes premiers tirs de grenade. Mais non, mais c'était pas là. Ah, ça va me rendre fou. Qui est mort pendant caca. Ah, ça me bouffe de tourner en rond comme un nigo. Ah, c'est d'un ennui mortel là. Je suis navré mais incapable de trouver le point de revendication. Non, là c'est des stands à la noix. Oh bah merde alors. Si je fais le coup de la... Je sais même plus comment on fait la lunette. Oui, c'est comme ça. À un moment, il passera au vert, mais... Ouais, non, j'ai rien. Je suis pas au bon endroit. Si je fais ça là... Non. C'était pas derrière. Là, je suis dans mon manque de tir avec les grenades. Là, c'est bien une caisse, mais elles ont pas l'aspect là, les caisses de mine. Encore la position des corps, c'est horrible, mais la position des corps pourrait me donner une indication. Par rapport à l'explosion et à la localisation des objets. Non, ça peut pas être en contrebas. Là, la carte, je suis où? Ah oui, je suis en train de me barrer. Je suis en train de me barrer.
Bon, bah tant pis. Je passe au point de contrôle suivant. Je reviendrai ici et je referai un autre assaut. Là, je m'avoue vaincu. Je comprends pas. Alors, ça a tellement bien explosé que. Qu'on peut même plus localiser le. La caisse de mine originale. Alors, attendez. Demi-tour toute. Merde, il faut que j'aille au. À l'armurerie. Oh, il y a du diamant. Le détecteur qui s'affole. Non, c'est pas sur le toit du... Ah non, c'est pas sur le toit de... Oh ! C'est rigolo de voir la place du vendeur par le dessus. Ah ! Rigolo. Il y a quelqu'un. Ah merde, je l'ai loupé. Ah oui, qui est parti quelque part par là-bas. Il m'a pas vu. Je suis déception. Ah, bonjour petit Seb. Ça va, le réveil est pas trop douloureux. T'as profité du feu d'artifice près de chez toi. Ah, la mallette est au sol. Bon, ben voilà. Là, j'allais chercher midi à 14h et finalement, la mallette est toute proche. Ah, c'est bien que tu sois en plateforme, c'est cool. Ah, faut pouvoir casser le... Casser les plans-planches. Pour les petits diamants. Ok, tu vas lancer, vas-y, lance. Te rejoins dans 5-10 minutes pour notre Starbound du samedi matin. Hic, pardon. Puis on aura notre vocale commune, je te laisse lancer le serveur de jeu. Я пои папу, буди буди быщи 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 буди буди бу. Alors, non, le rêve c'est l'équipement, mais ouais, il y a encore des trucs à déverrouiller. Il faut que j'avance dans les missions scénario. Bonjour, Papa Henry Pop. Touk. T'étais en train de te faire ta guerre des étoiles hier, Papa Henry Pop. T'es rigolo, je te regarde un petit peu. Ah là là. Non, là, y a rien qui m'intéresse dans l'immédiat. Ce sera pour une prochaine fois. Non, j'ai tout. Au niveau de la santé, je suis au top. Je suis au top. Oh la vache. Ouais, bah dur dur. Pas facile. Je pense que Far Cry 2, je le reprendrai cet après-midi. Si je jouerai peinard cet après-midi, ce sera bien.
On a vu que cet après-midi, je vais faire du Spenlucky, ensuite j'enchaînerai sur Far Cry 2, puis on fera les bibis. En gros, ça va être ça. Non, mon super véhicule, oui, il est là. Oh, j'ai plus de capot. C'est sympa, on voit la mécanique. J'ai stylé. Alors... Doudou. Je vais me mettre là. Pourquoi? Parce que je vais avoir des anti-cleaners qui vont arriver en patrouille. Et il faudrait que je sache les accueillir pour la prochaine. Ah bah les voilà déjà, tiens. Voilà. C'est sympa comme conclusion. Yes! Mais je veux bien Pop and Ripop, merci. Oh merde! Et ça y est, la cambrousse qui prend feu. Ah là 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 là. Bon, c'est bien, j'ai sauvegardé. Je vais avoir un petit ciel. Dans les chepaches. Oh mon dieu, tu m'as rédigé des romans. Bah oui, mais ça va bien, merci petit Seb qui m'écrit dans le Discord. Harcèlement, vite, je démarre un appel vocal. Agression. Pouk. Alors. Hop, dans le titre, je peux virer le Far Cry. Starbound, je vais déclarer... Le Starbound. Le Starbound. La 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 la. Le petit Starbound.